Jeune homme, bienvenue dans l'épisode 4 de la série Hardcore Escape from Tarkov. On avait fait 2-3 épisodes assez rapidement et puis il y a eu un petit wipe, un petit sabaton, un petit oubli, un déménagement, pif paf pouf, tout d'un coup ça fait 3-4 semaines que vous attendez les épisodes et qu'il n'y en a pas eu. Je suis désolé, on est en train de reprendre maintenant. On va essayer d'enregistrer tous les jours. Et donc là, on est de retour dans le jeu. Vous voyez qu'on est le nouveau studio, on est en green screen. Il y a bien le petit symbole PvE Hardcore pour vous montrer qu'on est en PvE et en Hardcore. Et j'ai appris, à mon grand désarroi, que j'étais un gros cheater de merde. Puisque apparemment, je sais plus à quel endroit j'ai été acheter du stuff chez les marchands. Voilà, je suis désolé, c'est clairement un oubli. Si je le fais encore, vous devez absolument me le dire. Mais donc voilà, là il faut bien que je me mette un petit peu en hardcore pour me mettre dans le bain. Et du coup, on va aller sur Customs, puisque si je regarde mes quêtes, je dois faire plusieurs trucs. 1. Je dois trouver du brawl. Ça, on peut l'avoir sur Customs. 2. Il me faut des MP133 et machin. Je vais pas remettre maintenant, parce que je veux pas m'handicaper pour les quêtes d'après, donc je les remettrai que... En vrai, ça vaut pas la peine, mais c'est pas grave. Ensuite, on doit tuer ici... Non, on doit survivre Customs, mais on doit aussi y aller pour Opération Aquarius, donc on va le faire aussi. Et là, je dois tuer 3 scavs sur Customs, et si je regarde Jaeger, il me faut de la bouffe, et si je regarde Praport, il me faut des shotguns. Donc tout ça, on peut l'avoir sur Customs, donc on va aller sur Customs. On a aussi Extortionist qui se fait sur Customs, et on a aussi Stirrup qui se fait n'importe où, qui sont les kills au pistolet. Donc voilà, on va aller par là. Et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut s'équiper. J'ai envie de bien m'équiper. Donc on va prendre ceci. On va prendre ceci. Ça part. Qu'est-ce qu'on a comme armure? On n'a pas d'armure, donc on est obligé de prendre ça. On est obligé de prendre ça. On est obligé de prendre ça. Ça, on va le garder. On fait pas la ghost. Enfin, on va rien prendre. On prend rien. On fait comme ça. Et là, il me faut des balles. Et donc, on va prendre de la PSPS. Il me faut du soin. On va faire ça. Il me faut de quoi enlever les heavy bleeds. Je pense que j'ai rien, quoi. On va prendre ça en antidouleur quand même. Je me tâte à prendre le grizzly avec moi, les gars. Mais en fait, j'ai pas de chargeur, quoi. Je réalise que j'ai qu'un seul chargeur. Ça c'est effrayant, ça. C'est effrayant. Ah ouais, on a qu'un seul chargeur. On a le banana mag ici. On a le Selewa pour après. Ok, on va prendre ça, la fac. Juste pour le heavy bleed. Ah, on a un chargeur ici. Let's go. Je sais pas pourquoi il est assuré. Ah non, j'en ai besoin pour un truc. Ok. On a deux chargeurs. Ouh, belé. Et on va juste prendre le Kukri pour le fun, les gars. Ça, c'est le truc de la Unheard. J'ai supprimé le reste. Mais voilà. Et on a les noodles pour la quête. Ok. On a deux chargeurs. On a des balles de réserve. Et on va partir directement sur Customs en hardcore. On n'assure pas. Let's go. Bostolux. Ah, ok. On va aller là-bas chercher les trucs. Ah oui, on est en hardcore, je dois faire attention. Je joue ma life, chat. Je joue ma life. My life is on the... sur la table. C'est difficile de passer de échappée belge à jeu normal où tu fais n'importe quoi, à hardcore où si tu meurs, c'est vraiment chiant, quoi. D'ailleurs, un petit peu de volume. Si, sûrement qu'il y a un barter chez Praport. Pas de sniper scav. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des caches. C'est le matin ou le soir, là? Normalement, j'ai pris le matin. Ok, ici, il y a une cache.
Please game. Oh merde. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ici, là il y a une cache. Si je me rappelle bien. Ou là. Full stuff. Mmh. Tu vois, je sais pas si j'en ai besoin pour Gunsmith. Ça, c'est parce que je suis pas un expert du hardcore. Mais bon, c'est comme ça qu'on le devient, c'est en jouant. Le soleil est à l'est, donc c'est le matin. Ah, ça, je veux. Ça, je veux aussi. Ça, je m'en fous. Ouais, mais ça je l'ai clairement, ça je la reconnais, je l'ai acheté, c'est sûr je l'ai acheté, chat. Je l'ai acheté chez Skieur, je crois, sans faire exprès. C'est ça qu'ils disaient les autres dans les commentaires. Je suis vraiment un vieux cheater, hein, c'est un truc de fou. Ça a parlé, anglais. Je sais pas à quel point ils sont vénères, les PMC. Ok. C'est le sniper cap, je pense. C'est lui. Là. Pas trop qui c'était. C'était un autre sniper, mais je pense qu'il prend le risque. Ok, bon, il va quand même être temps d'avancer un peu. Oh. Non, non, non. Attends, attends, attends. On recommence, chat. We go again, attendez. On va le faire en deux fois. J'ai deux fractures. Non. J'ai vraiment fait ça. Ah, je suis le pire des... Ah, mais il a un shotgun, on en a besoin par contre. J'ai deux fractures. J'ai un splint. Ok. Bon. Ben... So long. Je suis stressé, chat. Je suis vraiment stressé. Hein. No joke, je suis stressé. Genre, j'ai peur, quoi. C'est vrai que je pourrais remplacer ma poignée cheatée par celle-là. On va le faire. Voilà. Mais on voit flou maintenant. Là on voit flou, chat, hein, ça va pas du tout. Allez, il y aura un splint dans le duffel. Regardez le streamer loot, les gars. En vrai, il me faut des balles pour pouvoir jouer au jeu, donc je vais les prendre. C'était pas un 133, c'était un semi-auto. Ah, y'a moyen. Ok, on a pas eu de... Ok, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois qu'il y avait un deuxième scav quelque part. Ah, dommage. Mais Triton, c'est pas mal.
Piton, c'est pas mal. Là, il y a des meds ici. On va chercher les meds. Ils rentrent en hyperespace. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est ma Super Saiyan forme. Prépare ta chambre avec le Bulbex. Ah, c'est vraiment très malin ce que tu dis. C'est vraiment très très malin. Locked? C'est juste une porte que je peux déverrouiller, c'est trop fort. J'avais jamais vu ça. Vous saviez, chat, qu'on pouvait unlock ça? Des balles dedans. M1A. Non. Ah oui, j'ai pas été checker le coffre. On va le faire en sortant. Là, je veux juste un truc pour ma fracture, en fait. On l'aura pas là-dedans, c'est sûr, mais... Allez. Un petit splint. Un ophtalmoscope. En vrai, c'est pas mal, l'ophtalmophone inoid. Let's go, chat. Allez. En vrai, la PST, on va jamais jouer avec ça, chat. Faut jamais dire jamais. En hardcore, il faut tout garder. Là, on est déjà bien. Faudrait que je fasse des vestes pour avoir la 206. Et on va faire la veste ici. C'est pas mal de stuff pour... Ah, plein de choses en fait. Genre plein de fucking choses. Et à un moment là, je vais pas pouvoir tout looter quoi. Je sais pas trop ce que j'ai pas, ce dont j'ai besoin, etc. Je me souviens pas très bien. Mais genre la HP, on va jamais la prendre, c'est sûr. Et en vrai, mon chargeur de... Ok, il commence à faire jour, je crois. Maintenant, road tout. Bah, my bad, attends. Matos dans le putsch. Oh merde. Attends, j'avais pas vu. Alors, on va le retirer. Hop. La drill, j'en ai besoin, donc on va essayer de la garder. C'est chiant qu'ils se remplissent tout seul, mais on peut pas faire autrement, quoi. Tricheur. Ah ouais, non, j'ai full triché, là. Merci, Steel. Il est juste là, non? Non, en hardcore, je peux pas. C'est que les clés dans le pouch, rien d'autre. Genre que les clés. Alors l'azimut, ça c'est une grosse upgrade. Merde. On va faire ça et ça. En vrai, les gars.
Et donc ici... Je pense que ça c'est pas mal. Yo Austin, comment tu vas? La clé 220 c'est vraiment big, moi ce que je veux c'est une 206. On va passer par la gas station. C'est marrant qu'ils aient mis ça ici maintenant, c'est cool. On pourrait checker la clé là vite fait. Jury exactement comme Stinkrat. Oh, CMS. Oh, oh, oh. On sort. On loot vite fait ça et puis on sort. Oh, de la PS. Ah, Nikumuk, je sais pas quoi tirer. Ça, on s'en fout. Quasi sûr que le sel, j'en ai pas besoin, quoi. En vrai, vas-y. C'est trop bien. Ok, c'est quoi l'extract? Crossroads et Trailer Park, quoi. Ok, là on s'en va, là. Là on part à la maison, là. Quoi comme gun que t'avais? Qu'est-ce qu'il y avait comme clé sur toi? Rien d'intéressant. Rien d'intéressant en chat. Let's ciao. Bon, le coup de voiture, il a carry. Trouve 5K roub pour la caisse. Ah, j'avoue. Y a pas beaucoup de caisses enregistreuses. Hein. Si j'avais les clés pour les coffres, je pourrais faire un peu de forcing avec les coffres des dorms, plus les clés ici, de, plus les caisses enregistreuses, mais... La vérité, c'est que... Il n'y aura pas assez ici, c'est sûr. Quatre, ça se tente. Bah, il me faut 5000. Là c'est déjà mort. Et en fait il en faut 1000 par caisse enregistreuse quoi. Si j'ai 1000 par caisse enregistreuse c'est bon. Après je peux trouver un scav avec 20k, hein, ça se tente. Là c'est bon. Et là ça a compensé la première. Ah en vrai il y a moyen. 5000 balles. On a fait la moitié. Ah. 1000 plus 1000. Ok, il faut qu'il y ait 400 balles là-dedans chat. S'il y a 400 balles là-dedans, on est gaming. Priez au dieu Nikita Tarkov. Ah. Oh, ça passe. Let's go. Ok, extract voiture. Le hamster, j'en ai pas vraiment besoin. Alors, j'ai besoin de ça pour un barter. Pour la holodil Nick. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Ça et ça quoi. Il faut qu'elle ait pop la voiture. Ouais les gars. Tout doux bang. Pouch la clé, je peux pas pouch la clé. Je peux rien pouch pendant le raid là-dedans. Je peux juste ramener des clés en raid. Je peux pas les pouch.
On va vite prendre la clé Hammercom dans le coffre que je vois sur mon wallack. On va pas spawn. On s'en va. Quel sniper là en haut. Je suis pas sûr, je vois pas très bien. Il y aura partisan à la place de la voiture. Oh, ce serait tellement grave. Ce serait tellement grave s'il y a partisan. C'est marrant comme en hardcore, tu trouves 5000 balles, t'es heureux quoi. Moi je pense qu'il a spawn, hein. Je vois vraiment son petit cul là. Hein. J'ai pas envie de le contester mais... Un petit peu quand même quoi. Je pense pas qu'en PVE ils ouvrent les portes, les... Les autres PMC, donc la 206 est d'office fermée. Je pense vraiment que la 206 est d'office fermée. Elle a une 206. On va s'en prendre. Ça, on en a besoin pour Punisher. La clé USB là sous la guitare et sous le duffel elle spawn plus. Ils l'ont retiré, c'est sûr. Allez chat, croisez vos doigts pour la voiture. Maintenant qu'on a le cash, croisez vos doigts pour la voiture. Son visage s'illumine. Elle est impatiente. 50 secondes chat. Putain. Si on extracte ça là, on est vraiment Gucci Gang. On est vraiment Gucci Gang si on extracte ça. secondes. Même quand il a retrouvé Peach, il a pas autant souri. Davès, pourquoi t'as dit GG? Je peux pas dire GG alors qu'on a pas encore extract. Ça, c'est du Jinx. 20. Pour l'exclamation backpack en PVE hardcore quoi, please. Oh, la voiture qui s'envole quoi. Ah ben pas moi, mais on avait croisé les goons l'épisode d'avant. Let's go. Ah on l'avait tué quand même. Alors, je pense qu'on y retourne puisqu'il nous faut les shotguns. À mon avis, il y a plein de petits comportements un peu scriptés et tout, ouais. Tu t'es soigné? Ah merde, putain, mais oui, je me suis soigné. Ah, sorry, c'est des réflexes que, genre, ça fait 5 ans que je me soigne, genre, je pourrais pas les enlever ces réflexes, c'est trop dur. C'est trop dur. Il faut que le jeu ait un mode hardcore qui m'empêche de faire certains trucs. Comme SPT, tu vois. Que je puisse pas faire les barteurs chez les marchands, machin, enfin, tu vois, il faut que ce soit dans le jeu. Sinon, j'y arrive pas. C'est juste trop dur. C'est vraiment juste trop dur, quoi. Premier degré, hein. C'est impossible. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je pense que c'est bien comme ça. Et donc, ici, rapport. Non, t'as pas de chargeur, hein. Par contre, je peux faire ça. Un 4, 2 USB et une clope. Pour une AKSU toute pétée, quoi. Et là, j'ai un chargeur en plus et j'ai une arme.
Bon, on va remettre les quêtes. Survive Custom, ça c'est tout bon. Trouver 3 scaves, c'est tout bon. Mais surtout là... Ah, on n'a pas les... Ah, on n'a pas les Salewa. Ah, my bad. Je pensais qu'on était encore au Salewa. Ok, donc là, ce qu'il me faut maintenant, c'est de quoi acheter la 206. Et donc, il me faut des meds. Moi, je ferais bien... Qu'est-ce qu'on fait, chat, avec ça? On va faire extortionniste, on va faire ça. Extortionniste, chat. On va prendre ça, ça fait 30. Ouais, ça va, on a pas mal de balles de réserve. Et on va prendre... On a le splint. Et il me faut un truc pour les heavy bleed, là. En vrai, je vais sortir la nalgine et je vais prendre la vaseline carrément. Où est-ce que j'ai des meds, les gars? Genre hémostat. Ah, j'en ai un, ça je vais le garder pour le craft. Ah, je sais où ils sont. Ils sont là. Voilà, il est là. En vrai, c'est pas useless, hein. C'est vraiment pas useless. Parce que là, maintenant, je peux mettre la lampe ici, comme ça. Et l'hémostat ici, où est-ce qu'il est? Mais je suis aveugle. Genre, je suis vraiment full aveugle. C'est super triste d'en être là dans la vie, mais je le vois pas. Ah, il est là. Ok. On va retourner, on va faire extortionniste. On n'assure pas. Ce serait vraiment cool que tu puisses, quand tu crées ton perso, tu choisis Yusek Bear. Et puis l'écran suivant, t'as toutes les configs. Et tu vois un peu ta carrière de compte à travers toutes les saisons, quoi. Et donc, tu pourrais avoir Prestige 1, 2, 3, Hardcore, machin, machin, machin. Et tu configures comme tu veux. Et là, c'est banger, quoi. On a un très bon spawn, je pense, pour faire ça. PVE, c'est quoi? En gros, il y a des PMC et des SCAF, mais c'est que des IA. Il n'y a pas de vrais joueurs. Et ça me permet... Ça me permet de pouvoir utiliser, de pas devoir acheter un autre compte en fait. J'aurais pu faire le hardcore sur un serveur PVP, mais j'aurais dû acheter un troisième compte et j'avais pas envie. On est marre, il y a de l'argent à Nikita, je fais déjà assez de la promo de son jeu comme ça. Putain, mais prends là ta tête, frérot. Quand même reload. Je crois qu'ils sont 3-4, hein. Attends, mais il est vivant, là. J'arrive pas à voir si c'est un mec accroupi avec un... Ça, c'est un sac. Attends. Oh, c'est un mec, mais il est mort, je crois. Ok. Pas se mettre ici. Ok, là on va McDrill un petit peu et on va looter. Ouais, sergent cool, c'est deux comptes séparés. C'est comme si t'avais un autre compte. Mais t'as un stage, t'as des quêtes, tu peux faire le kappa en PVE quoi. C'est vraiment deux trucs complètement séparés. PMC niveau 28, tu vas pas avoir les quêtes liées. Ah non. Si tu maintenant tu cliques sur PVE, t'auras un PMC niveau 1, tu vas devoir créer un personnage comme si t'avais un autre compte quoi. C'est vraiment deux comptes séparés. Sauf que c'est sur le même compte. Bon les gars, on peut déjà bien looter, mais on est au bon endroit pour faire la quête. Alors, ils sont vraiment pétés de stuff, ça a abusé. Genre niveau 45 quoi. Bah genre ça dégage déjà. Et le AVS, c'est no match. En fait, c'est des raiders, donc il aura deux grenades et des balles, quoi.
Et les grenades sont dans la VS. Ça, je les garde pour la quête sur Woods. Un peu broken quand même de se stuffer comme ça. On avait le même problème sur... sur single player Tarkov. C'est que je trouve... que c'était un peu facile de se stuffer. Pour du hardcore, vu que tous les PMC sont stuffés comme s'ils étaient... C'est des raiders quoi. Ils ont quand même pas mal de stuff. Voilà, j'ai des plaques 4. À quel point c'est pété les gars? Désolé, mais je préfère faire ça et tant pis pour l'armure. Et ça, je prends pas, et ça, je prends pas. Si vous êtes pas au courant, j'ai déménagé il y a vraiment pas longtemps. Et il y a un ascenseur, quoi. Ok. Là, rien de bien spécial. Et en fait, l'ascenseur fait un peu de bruit, je l'entends. C'est pas très bruyant, mais je l'entends. Et je vous jure, on dirait trop le bruit d'un riffback Léviathan dans Subnautica. Genre, c'est le même bruit. C'est vraiment un riffback Léviathan. Ah, attendez, est-ce que ça... C'est compatible avec mon autre arme. C'est compatible avec mon autre arme. Ok, donc on va virer ça. Oui, ça avance, Yuma King. Ça avance bien. Et là, je me tâte à utiliser cette arme-là parce qu'elle est dans un meilleur état. Enfin, là, à l'instant T, elle ne l'est pas. C'est des plaques 3. Ok, on va arrêter. Désolé, vous avez mes notifs Blizzard sur le côté. Les gens commencent à rentrer du boulot le vendredi. Ils sont en train de lancer le jeu pour aller sur The War Within. J'en prends mon viseur. Lui, il me voit pas moi, donc c'est bon. Presque one tap, hein. Presque one tap. La zouk, je la prendrais bien, mais je vais me séparer de ça. Le shankaf en inwade, il m'intéresse, mais je l'aurai plus tard. Je vais pas le garder pendant tout ce temps-là. Pistole gratuit, non, c'est pour le poids que je prends pas de pistole. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est sûr ça te prie quoi. Déjà 46 kilos. Hein. Là, je l'ai gardé pour un barter, je sais plus lequel, mais si je l'ai mis en barter, c'est que je le voulais. Je me demande à quel point je ratais le scav en haut à cause du fait que mon arme est genre à 50% de durabilité. Et que du coup, je ratais beaucoup mes tirs, quoi. Alors, je peux ranger tout ça puisqu'on a de la place maintenant. Ben voilà, c'est tout.
Et donc là, on va foncer. Je me tâte un peu. Oh, about half. Merde, j'ai pas my drill. Ah ouais, pas my drill celui-là. On va mettre de la PS encore. Pensez à manger. Je suis à 30%, ça va, j'ai du coca. Et je crois que j'avais... Ouais, c'est ça, mais ça, je le garde pour après. Et là, je... Ouais, ça dégage. Ok. Ouais, on va pas tarder à y penser. Attends, ma stam. J'aimerais bien sortir, en fait, et aller par là-bas. On va aller faire la caisse derrière le conteneur ici avec toutes les balles. Tu penses quoi du PVE? Est-ce que tu préfères le PVE? PVE c'est très bien. Je pense que c'est une bonne chose pour beaucoup de joueurs. C'est un très bon moyen de découvrir le jeu pour les nouveaux joueurs. Ou de jouer chill à leur aise pour les joueurs qui jouent pas beaucoup, tu vois. Si t'as le temps de jouer que 2 heures par semaine, le PVE c'est parfait pour toi. T'as pas envie de te prendre la tête et tout. PVE a plein d'avantages à ce niveau-là. Je vais les prendre parce que c'est des stacks de 50, c'est beaucoup, mais on n'a pas de MCX. Et moi, ça me permet d'avoir un autre compte pour faire du hardcore, tu vois. Ça, c'est les goons, je pense. Je suis en train de me faire gouner de la tête là. J'ai hâte de réparer cette arme là pour l'utiliser aussi. J'ai vraiment l'impression que c'était les goons qui me tiraient dessus là. Il y a moyen qu'on ait pas de fracture. L'arme qui s'enraye. L'arme qui s'enraye, chat. C'est dur. Ça, c'est l'arme qui s'enraye. Putain, on avait un chouette kit et puis on a plus rien. Ah, l'arme qui s'enraye, ça fait très mal. J'ai envie de tout casser. Aïe, aïe, aïe. J'ai reconnu leur balle. Je suis sorti pour pouvoir les attendre exactement comme je l'ai fait. Il était slow dans le buisson. Et donc, genre, c'était vraiment de la merde pour lui. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais juste vider mon chargeur. Et prrr, 3 balles, j'ai tiré. Et je l'ai entendu tousser, donc clairement, je sais pas si ça a peine ou quoi. Mais en tout cas, il était déjà en train de tousser, tu vois. Enfin, il était pas en train de tousser, mais il faisait... Donc, je crois que son thorax était genre à 30%. Enfin, à 30 sur 85. Je sais même pas si c'est 85 son thorax. Mais... Bon, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage de mourir sur ça. On en avait tué autant au début, je me rappelle même pas. C'est dommage. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est... On est vraiment mort, on a pris 2 BP thorax, terminé, quoi. Merci, bonsoir. Merde, je me suis encore soigné. Putain, chat. Genre, c'est trop dur, c'est trop dur. Je sais que je cheat. Je sais que c'est du cheat. Mais pour ma défense, j'ai un grizzly, quoi. J'en ai même 2. Mais j'avoue que je devrais pas. J'ai pas d'excuses. C'est juste... Il y a vraiment des réflexes qui partent pas, quoi. Vous vous rendez compte des réflexes, là, qui ne partent pas? Bah oui, vous vous en rendez compte, puisque vous les voyez. Mais voilà.
Si je pouvais casser mon grizzly à moitié, je le ferais. Mais je peux pas le casser à moitié. Mais je me suis encore soigné. Bon. 40 minutes sur l'épisode. Je pense que c'est ok pour un épisode, non les gars? Juste jette un affect pour compenser. J'avoue, je vais jeter celui-là. Ça me semble bien. Voilà, j'ai compensé. On est réglo de nouveau. Je crois que je vais arrêter ici. Je vais arrêter ici cet épisode-là. Et on fera un autre épisode une prochaine fois, les gars. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous êtes sur YouTube, vous savez qu'on enregistre sur Twitch. Normalement tous les jours, mais c'est bien, hein? On se comprend. Twitch.tv/xwanzil, vous avez les liens pas du tout en bas de l'écran, mais vous les avez en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Merci à tous et je vous dis à bientôt les gars. Ciao, ciao.